abundantly. Est-ce que nous sommes dans la joie? Are we happy? C'est important d'être dans la joie dans la maison de Dieu. It's important to be in joy in the presence of God. Et nous croyons que Dieu va nous consoler avec une bonne parole. We believe God is going to comfort us with a good word. Dieu va consoler quelqu'un ce matin. He's going to comfort someone this morning. Parce qu'il est le Dieu qui est vivant. Because He is the living God. Il est le Dieu qui est grand. He is the great God. Nous sommes dans notre série sur les types de maladies. We carry on with our teaching on the types of disease. Leurs origines et la guérison. Origins and healing divine. Alors nous allons prendre ensemble nos Bibles. We're going to take our Bibles. Dans les livres de Exode. You go to the book of Exodus. Not so late anymore, yeah? I'm preaching now. Exode chapitre 15. Exodus chapter 15. Loulou, Exode chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 22e au verset 26e. Exodus 15, from 22 to 26. Donc Exode chapitre 15, 22 à 26. All right, stand up and put it in the Bible. So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. And when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter. Therefore the name of it was called Marah. And the people murmured against Moses, saying, "What shall we drink?" And he cried unto the Lord, which when he had cast the waters were made sweet. There he made them a statute and an ordinance, and they approved them, and said, "If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon Egyptians, for I am the Lord that healeth thee." Amen. Seigneur notre Dieu, nous bénissons grandement ton nom. Nous sanctifions ces moments de la parole. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses, que la chair s'éteisse, que l'esprit parle. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Asseyons dans la présence de Dieu. Thank you, Lord. Nous voulons, bien aimé, ce matin, par la grâce de Dieu, communiquer quelque chose à l'Église. Et si Dieu le permet, nous aurons aussi le temps de pouvoir ministrer dans la prière. And if God allows us, we'll have enough time. Dieu qui est le Dieu qui est vivant. God is the living God. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. The God that never changes. Bien aimé, nous sommes dans un temps. We are at a time, beloved. Où si Dieu n'agit pas, well, if God le diable va agir. It means the devil. Si Dieu ne se manifeste God pas, show up, le diable va se manifester. Manifest. Si nous ne voyons pas la main de Dieu, nous allons voir la main du diable. Si l'Église the church ne démontre pas la puissance, parce que l'Église va se montrer. Le rôle de l'Église, c'est de démontrer la puissance de l'Évangile. Oh, je parle à quelqu'un. Et la puissance de l'Évangile, c'est quoi? C'est prêcher Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Et Jésus ressuscité ne meurt jamais. C'est pourquoi j'aime. That's why when I was singing, he never changes, he never fails. Jésus ne tombera jamais. Jesus will never fail. Jésus ne tombera jamais. Jésus ne perdra jamais. Jésus ne tombera jamais. J'ai dit, il y a des villes qui tombent. Il y a des cités qui tombent. Mais Jésus ne tombera jamais. Jésus ne faillira jamais. Si ça, si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça peut marcher. Tiens, c'est lui qui a tes côtés, ça peut marcher. Moi qui m'a dit, ça peut marcher. Ça peut marcher aujourd'hui. Dieu est le Dieu qui est vivant. Il n'a pas changé. Oh, il parle de Samuel. Dis-lui, ça peut marcher aujourd'hui. Oh, dis à ton voisin, dis-lui. Il va te
tu es là-bas, il s'en va marcher aujourd'hui. Il n'a pas changé. Les Ivoiriens disent, ça n'a qu'à marcher. La parole de Dieu veut regarder. La parole de Dieu est réelle. C'est la seule parole. That's the only word. C'est la Bible. The Bible. Qui a été combattu durant l'histoire. Been fought against. Mais la Bible est sortie toujours vainqueur. Depuis les siècles et siècles. Ils ont essayé. D'arracher certains versets. To subtract something. Mais une chose. On peut enlever le verset. On peut jamais enlever l'esprit du verset. Nous croyons que Jésus ne change pas. Et il ne changera jamais. C'est pourquoi nous croyons. That's what we believe. Et ce matin. This morning, je sens la présence. Et je crois que Dieu sera en mesure de faire quelque chose. Je sens la puissance de la guérison dans cette église. Je dis, je sens la puissance de la guérison dans l'église. Je sais quand Dieu se manifeste dans la guérison. Je sens mes mains comme s'il y avait une chaleur qui était dégagée. Et Dieu est sur le point de guérir quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, pendant que je priais, je dis, Seigneur, je dois parler de quelque chose. Il m'a dit, he told me, prie. Pray. Et pendant que je priais, praying, il m'a soufflé. Je suis to me, say à l'éternel, the Lord qui te guérit. Hallelujah. Je suis I am the Lord, l'éternel Lord qui te guérit. Dis avec moi, il est. Il est l'éternel Lord qui me guérit. Dis avec moi, il est. L'éternel. Non, comment? Il est l'éternel qui me guérit. Oui, que la guérison soit au partage au nom de Jésus. Je lui dis que la guérison soit au partage au nom de Jésus. Et si vous aimez, l'onction de Dieu va circuler dans la salle. Je lui dis que la guérison soit au partage au nom de Jésus. Donc je dis que la guérison soit au partage au nom de Jésus. Même si tu ne souffres pas physiquement, even if you're même si tu as des émotions, even if même au niveau de tes finances, ce matin, il est l'éternel qui guérit mes finances. Il est l'éternel qui guérit mes émotions. Il est l'éternel qui guérit ma famille. Il est l'éternel qui guérit l'église évangélique de marche. Laissez-moi parler un peu du contexte de l'histoire. Let me talk about the context of this. Ici la Bible nous parle de Moïse. The Bible is talking about Moses. Moïse. Moses. Dieu a utilisé. So God has used. Pour libérer les enfants d'Israël. Free the children of Israel. De la captivité. From. Pour les amener dans la terre promise. To the promised land. Et ouvrir une parenthèse pour dire que. Ce matin, this morning, je peux être aussi comme Moïse, I will be a Moses pour toi, for you, pour te libérer to free de la prise from de tes pensées et te faire entrer dans la promesse de l'Éternel. Oh, je parle à quelqu'un. Quand je suis en train de parler à quelqu'un, Dieu est le Dieu vivant. God is the living God. Moïse, Moses, il a connu beaucoup de problèmes. Went through a lot of trouble. Et parle d'abord lui-même. De par lui-même, de par son appel. By his calling. Mais Dieu peut nous utiliser de diverses manières. God can use us in il y a des choses qui nous arrivent qui n'arriveront pas à quelqu'un d'autre. Happen to us, they will never happen to someone else. Moi, il y a des choses qui n'arriveront à toi qui n'arriveront jamais à quelqu'un d'autre. You, not to someone else. C'est pourquoi nous ne marchons pas we don't work. Dans la comparaison. By comparing. Je ne me compare à personne. I don't compare myself parce que je suis moi. Because I'm ce que Dieu veut faire avec moi, well, God will do with me. Il fera seulement avec moi. Only, only with me. C'est pourquoi that's why ne regarde pas ton voisin. Don't look at your neighbor. N'envie pas son histoire. Don't invite the toi aussi tu as ton histoire avec Dieu. Je dis toi aussi tu as ton histoire avec Dieu. Toi aussi tu as ton histoire avec Dieu. Viens avec moi, moi Samuel. I, Charles, j'ai aussi mon histoire. I also have my history avec mon Dieu. With my God. Amen. Amen. Nous avons tous des histoires. We all have stories. Et Moïse, Moses, se retrouve find himself devant un peuple in front of a qui était difficile, the way hard, qui croyait, qui des fois ne croyait pas. Sometimes he used to believe, sometimes. Mais la seule chose qui faisait Moïse avait entendu Dieu lui parler. The only thing is that Moses listened to God. Parce que ce qui fait la différence, c'est que tu as écouté Dieu et tu marches par rapport à l'ainsi dit l'Éternel. According to what said the Lord. Ne marche pas selon ce que ton père a dit. Don't walk according to what your father said. Ne marche pas selon ce que ta maman a dit. Know to what your mother did. Mais écoute Dieu. But listen to quand God. Quand tu écoutes Dieu, when you listen tu marcheras selon les instincts. Work
l'Éternel. Car il y a des ainsi dit l'Éternel, ainsi fait l'Éternel, ainsi déclare l'Éternel. Et quand tu comprends ces choses, tu n'es pas agité. Moïse se présente. Moses' situation. Il y avait un problème. There was a problem. Il y avait un problème. There was a problem. Les peuples people avaient soif. Were thirsty. Il y avait rien à boire. There was nothing to drink. L'eau qui était là. The water that was there. C'était l'eau amère. Was a bitter one. Était l'eau amère. The water was bitter. Les peuples people commençaient à murmurer. Started murmuring. Ma soeur, mon frère, les murmures ne t'amèneront nulle part. Murmuring will take you nowhere. Je dis à quelqu'un. Les murmures ne t'amèneront nulle part. Le plus tu murmures, le plus tu t'éloignes de Dieu aussi. The more you murmur, the more you go away from God. Ne te lève pas pour te fâcher. Je suis fâché contre Dieu, c'est à ta perte. Don't rise up and get upset against God. De plus en plus tu murmures. The more you murmur. De plus en plus la colère de Dieu s'approche. God's hunger comes upon you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bizarre. What is so strange? Dieu dit à Moïse. God tells Moses. Pourquoi ce peuple murmure? Why do those people murmur? Quand tu marches avec Moïse. When God works with Moses. À chaque fois que le peuple murmurait. Every time they used to Dieu murmur. Dieu disait, ils murmurent contre moi. God was saying they're murmuring against me. Mais pourtant il ne voyait pas bien voir Moïse. But he was seeing Moses. Ma soeur, mon frère. Brothers and sisters. Dans la vie. In life. Un conseil. An advice. D'ami. As a friend. Ne murmurez jamais contre un serviteur. Never murmur against a servant of God. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a placé là-dessus. Because there's someone that put them there. Dans nos familles, dans nos églises, les gens sont maudits parce qu'ils murmurent trop contre les serviteurs de Dieu. People are being cursed in families and churches because they do murmur against. Ils murmurent trop contre les serviteurs de Dieu. Murmur a lot against the God's servant. Et c'est important. What is important? De comprendre. To understand. Que les murmures. The murmuring. Ne t'amèneront nulle part. Will take you nowhere. Même par rapport à ta propre vie. Even according to your own life. Tu murmures parce que tu n'as pas reçu ceci. Remember because you didn't get. Tu murmures parce qu'il y a ceci. Because something. Ça n'apportera rien dans ta vie. Will bring nothing in your life. Au contraire, ça t'éloigne de Dieu. However, will take you away from God. Les peuples murmuraient. People murmured. Et Dieu dit. And God said. Parce qu'il manquait l'eau. Because they lack water. Et l'eau qui était là, the water that was there, était une eau amère qui était, was the bitter one. Et ils ne pouvaient pas, and they could not boire cela, drink it. Et qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Dieu dit, God says, prends seulement un bâton, just take a stick, jette, and throw it into water. Mais je me pose une question. I'm asking myself a question. Je me pose une question. I'm asking myself a question. Dieu ne pouvait pas dire à Moïse, parle seulement pour que l'eau soit saine. Was God unable to tell Moses to speak to the water for it? Mais Dieu dit, prends le bâton et jette. He says, take the stick and throw it. La manière de guérir de Dieu diffère. God heals in a different way. La manière d'agir de Dieu diffère. He acts in different ways. Mais Dieu n'est pas un Dieu statique. God is not static. Mais Dieu c'est un Dieu qui se déplace. He is a God qui change de stratégie. Changes strategy. C'est alors que nous l'appelons Dieu. Therefore we call him God. Moi j'ai dit Dieu agit de la même manière. If he used to act in the same way, tout le monde. Et c'est qu'il est plus Dieu. For everyone that it means is no longer God. Nous pouvons l'imiter aussi. Mais il agit de sa manière. But he acts in his own way. Pour montrer qu'il est Dieu. To show that he is God. Le problème. The problem. Moïse avait obéi. Moses obeyed. Il a pris le bâton. He took a stick. Il a jeté dans. And threw it into water. Il n'a pas prié 40 jours. He never prayed 40 days. Comme il a fait pour recevoir les 10 commandements. As he did it to get the 10 commandments. Mais il a jeté. But he threw the stick. Quand tu marches avec Dieu. When you walk with God, tu écoutes Dieu. You listen to him. Dieu va simplifier les choses pour vous. Simplify things for you. Amen. Nous voulons bien aimer amener Dieu à faire ce que nous voulons. Mais nous ne voulons pas push God to do what we want. Mais nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut. But we don't want to do what He wants us to. Moïse, Moses, a écouté Dieu. Listen to God. Dieu lui a dit. God told him. Jette le bâton. Throw the stick. Des fois dans la vie chrétienne, sometimes in Christian life, ce qui est facile, nous l'acceptons difficilement. Oui. Difficult. We don't accept easily what is so easy. Mais ce qui est compliqué, c'est ce que les chrétiens aiment. But the Christians love what is so compliqué. Surtout les chrétiens africains. Especially those from Africa. Non, pas seulement africains, mais généralement l'homme noir. Generally, the black people. Nous n'aimons pas ce qui est facile. We don't like what is so easy. Quelqu'un vient. Somebody comes. Papa, toi, j'ai crié. Says papa, j'ai prié. I'm going to pray. Sois restauré. Be healed and restored. Après.
Afterwards, je suis parti. And I went. I walked. Prophète Bajé qui me dit. What Prophète Bajé says? C'est seulement fini comme ça. Il y a pas. It's done all. There's nothing else. C'est ça nous. That's us. Parce que quand on prie calmement. Because when you pray calmly. Mais quand j'ai dit Prophète Bajé. Or when I say. Start jumping. Première réponse de Prophète Bajé quand je tournais m'a dit ah là je dois prendre une bonne position. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et quand je termine. And when I finish. Je commence à prophétiser. Je vais te dire. Quand tu touches, et puis vous ne pouvez rien faire. Frère, simplifions les choses avec Dieu. Laisse Dieu marcher avec toi comme il marche avec toi. Alors, God, to walk the way. Bien, mais quelqu'un d'autre peut faire 40 jours. Mais pour toi, Dieu peut te dire obéissez-moi. For you, God can tell you just to obey. Nous voulons seulement mener Dieu 40 jours. We just want to take up 40 days. J'étais dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu t'avait envoyé là-bas? Did God send you there? Il y a des gens qui vont dans la présence de Dieu sans que Dieu les envoie. There are people that go into God's presence without God Himself sending them there. Il y a des gens qui entrent dans 40 jours parce que tout le monde jeûne 40 jours. Go and fast for 40 days because everyone does it. Frère, c'est bien de jeûner. Moi, j'aime jeûner. Fast, I fast. Mais faut faire attention avec les jeûnes. But you must be careful with it. Jésus, la Bible dit. Poussé par l'Esprit, il est allé jeûner 40 jours. Jesus fasted because he was pushed by the Spirit. Et vous savez, le 40e jour, qu'est-ce qui s'est passé? What happened the 40th day? Qu'est-ce qui s'est passé le 40e jour? What happened the 40th day? Ah! Ah! Il y a des prières qui attirent Satan à la fin. There are prayers that attract the devil. Alors, il faut bien te préparer pour vaincre cela. Now, you must be able to overcome. Si Dieu t'a envoyé, il te donnera des capacités. You shall give you the capacity. Mais une chose, or one thing, obéis à ce que Dieu te dit de faire. Obey to what God tells you. Prends seulement le bâton, jette dans l'eau. Ne dis rien, prends seulement le bâton, jette dans l'eau. Just la Bible dit quand il a jeté le bâton, Bible says when he does, l'eau qui était amère, the bitter water, est devenu sel. Le bâton là est l'image de la parole de Dieu. Ce matin, nous jetons la parole de Dieu dans la situation. Tout ce qui était amère, et le bien-être qui reste. Là où les choses ne marchent pas, nous jetons la parole de Dieu dessus. Et que la parole restaure toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Celui qui dit un plus grand Amen, il reçoit cela. Et la Bible dit, and the Bible says, Dieu, God, après avoir changé l'eau, after changed the water, le peuple a bu. People drunk. Ils ont commencé encore à louer Dieu. C'est ça l'homme. They started praising God again. L'homme est changeant. That's the man. The man changed. L'homme est changeant. The human being. L'homme peut acclamer aujourd'hui demain. They can clap for you today. Lancer les pierres sur toi. And throw stones on you tomorrow. Mais une chose. One thing. Reste fidèle attaché à Dieu. Remain faithful attached. Ne t'attache pas à l'homme. Don't attach yourself to a man. Papa dit, ne t'attache pas à l'homme, attache pas à yourself to a human. Parce qu'à chaque instant. Every time we go away from God, l'homme se glorifie. The human. L'objectif de l'homme c'est de nous écarter de Dieu. What he wants is to take us away from God. Lorsqu'on n'a plus confiance en Dieu, when you don't trust God, on aura confiance au démon. You trust the demon. Et quand tu as confiance au démon, c'est que Dieu est démon. Demons, it means you are yourself a demon. Et là, je dis si tu fais confiance au démon, c'est que toi-même tu deviens démon. It means you become a demon yourself. Dieu, God, assainit l'eau. Purified water. Mais ce qui est important, what is important? Je suis encore dans mon introduction. Mon introduction sera longue par rapport à la première. My introduction will be long compared to my. Et Dieu dit, God says, quand il a fini, when he finished, Dieu dira, God will say, je suis l'Éternel. I am the Lord. Qui? That te guérit. Heals you. Mais ma question est de savoir, qui était malade? Who was healed? Who was healed? Parce que quand les gens voient la guérison, ils font toujours allusion à la maladie. When you talk about healing, you only see a disease. Mais physiquement, qui était malade? But physically, who was ill? Personne. No one. C'était l'eau. It was the water. Mais Dieu, quand l'eau est assainie, Dieu dit, after the water was purified, je suis l'Éternel. God says, I'm the Lord. Qui te guérit? That heals you. Jehovah.
Jehovah Rapha. Alors je vais parler sur l'Éternel qui te guérit. Now I'm going to talk about the Lord that heals you. L'Éternel qui me guérit. That heals me. Quand on parle de Rapha, when talking about Rapha, Rapha, je vais faire l'approche du grec et de l'hébreu pour comprendre ces choses. I'll put together Greek and Hebrew. Jehovah Rapha. Rapha. Alors parlons d'abord du point de vue hébreu. First of all, let's talk about Hebrew. Quand on parle de Yahweh Rapha, in Hebrew, when you talk about Yahweh Rapha, Rapha veut dire guérir, healing. Rapha veut dire réparer, repair. Alors, je commence un peu à parler de Rapha. I'm going to start talking La about Bible dit que Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Alors, quand on dit guérir, when they say to heal, guérir veut dire it means faire revivre quelque chose. Bringing something back to life. Bringing something back en fait, to life. Dit, je suis qui when the Lord says, I'm the Lord that heals you, je vais encore faire vivre quelque chose I'll bring something back to life in you. Je vais remettre, je vais encore remettre quelque chose. I'll bring something back. Je vais te rendre joyeux. I'll make you joyful. C'est pourquoi je suis l'Éternel. That's why it says, I'm the Lord that heals you. Je vais te rendre joyeux. I'll make you joyful. Frères et sœurs. Si la joie t'a quitté, ce matin, morning, tu es dans une bonne adresse. Tu sortiras de ces lieux avec les jours remplis de ma sévérité. Parce que Dieu va te rendre joyeux. Notre joie n'est pas liée à l'argent. Notre joie n'est pas liée à quelqu'un. Mais ma joie est attachée à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel est la joie de mon cœur. Je suis l'Éternel. On est qui? T'es guéri. Tu remets encore la joie. Ma soeur, tu as le droit de vivre. Mon frère, tu as le droit de vivre. Tu as le droit d'être joyeux. Même si ta vie était malade. Mais aujourd'hui, Yahweh, Rapha, l'Éternel, tu verras encore la joie. La joie de danser. La joie de prêcher. La joie de faire encore quelque chose avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis l'Éternel qui te guérit. Tu as encore la joie. Tu as le droit d'être joyeux. You have the right to be joyful. Tu as le droit d'être joyeux à la vie. Je suis l'Éternel qui te guérit. Peu importe, même si elle a maladie, mais je danse pour Dieu, pour le Seigneur. Bilou, quoi, les amis, quoi, le Messie, quoi, le Bilou, quoi, le je sens que l'église commence à faire. Je suis l'Éternel qui te guérit, qui te rend la joie. La joie de vivre. Joy to me. La joie de vivre. Joy to me. Quand je regarde un peu petit mon mine en main, je dis ah! Yo, quand tu es bon. Moi, mais t'as pas interprété, ça c'est pour moi. As he said. Alléluia. Jésus. I am the Lord qui te guérit, qui remet un peu la joie. Quand tu te réveilles le matin, when I woke up in the morning, remire-toi, remire-toi. Look into the mirror. Regarde un petit peu. Oh. And say. Oh. On attend seulement la chambre qui fait. Oh. Oh. On croit que tu es en train d'adorer, mais tu es en train d'activer la joie qui est sur. Admiring the joy. Il y a des gens qui sont sortis pressés dans la vie. The that were il y a des gens qui sont sortis à temps. People, you look at them, how beautiful they are, you say, God made me. The way God made me. People like. Pas, you, ne verra ta place. You don't value yourself. I'm sorry to say. Mais si tu ne te valorises pas, personne ne le fera. No one will do it for you. Oh, je suis non, quand je suis mal fait la ligne là. Do you think my wife loves me? I and I make her love me. I make her love me. Do you think what I did in her? What did I tell her? When I spoke to her, I gave her friend. The Indian gave her. Moi je me suis fait de ma poudre déjà. De ouf, c'est ma poudre. Amen. Rapha. Rapha. L'Éternel. The Lord. Qui nous rend encore joyeux.
that makes us joyful. L'Éternel, the Lord, qui nous guérit. That heals us. Rapha veut dire encore. Rapha means again. L'Éternel, the Lord, qui répare. That repairs. On peut réparer quelque chose qui était endommagé. You can only repair something that has been damaged. Celui qui n'a pas été endommagé n'a pas sa place ici. Whoever has never been damaged has moi je parle aux gens qui ont été endommagés. I'm talking to people that ont tiré tout en bas. They've been damaged by a big car, the big truck. Il y avait des trucks, des grands bus là, qu'on appelait Dirou. Truck called with 10 wheels. Et tous les jeunes gens, all young people, si 19h tu es dehors, 18h, at 6 o'clock p.m. Dirou vient, on te ramasse en ta main. Come and take you. C'est pour moi, il n'y avait pas des chèques, il y avait des Congos et Bola. D'accord. Vraiment, Dirou quand même, Dirou. Mon grand frère lui jouait Dirou et Kangaye. Anikaï Rondokoto, Talabo Surima. Depuis ce jour-là, il sortait plus. Ce n'était plus quelque chose de parent, mais Dirou a corrigé. Alléluia. Alors quand on parle de réparer, cela veut dire remettre en bon état quelque chose qui était endommagé. To repair something that has been damaged. Alors quand tu dis je suis l'Éternel qui t'a guéri. When God says, I'm the Lord that heals you, il veut dire, je vais te remettre, je vais enlever tout le damage. I want to take away all the damage that you have. Et moi-même, remettre toutes les choses en place. And I'll put everything back into place. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un. That's why I want to tell someone. Même si la société t'a endommagé. If the society has damaged. Même si la maladie t'a endommagé. These have damaged. Mais il est l'Éternel. He is the Lord. Te répare. Non, je dis, il est l'Éternel qui te répare. Pour bien comprendre encore. To understand well, qu'est-ce qui se passe? What happens? Lorsque tu connais un accident. When you have an accident. La voiture, avec la voiture, je veux dire. With a car. Tu remarqueras que. You know, je me rappelle un jour. I remember one day. Je suis venu de Paris. Was traveling from Paris. Et le matin, je devais accompagner Samuel. The following morning, I had to take Samuel. J'étais vraiment fatigué. Was so tired. J'ai passé la veillée. J'ai pris l'avion. Je suis venu. Arrivé, je prends la voiture pour l'accompagner. To take him to where he was going. Quand je suis allé, c'était, il n'y avait pas de problème. There was no problem when going. Au retour, on my way back, frères et sœurs, je n'ai pas compris. I never understood. Je n'ai jamais compris. I've never understood. J'ai somnolé au volant. I slumbered. Et quand j'ai somnolé, même 2 secondes, just 2 seconds, j'ai connu une voiture. I crashed into another car. Et je me suis levé. And I woke up. Samuel était là. Someone was there. J'ai dit, I was sleeping. J'ai dit que je dormais. Et le monsieur là est descendu. And the man came out. Énervé comme tout. So angry. Quand il m'a vu descendre aussi. When he saw me, il s'est calmé un peu. He calmed down. Parce qu'il a vu quand même il y avait un décalage entre lui et moi. Il s'est calmé. And he went down. Mais c'est que lui ne savait pas. Why did he know? J'étais dérangé à mon aide. I was so strong. C'était la première fois une telle chose m'arrive. That was the first time such thing. Je commence à dire je devais dormir. C'est pourtant ma mère voulait aller, j'ai dit non, laisse-moi partir. My wife wanted to go, I told her, no, let me go. Et après, afterwards, il me demande le driving license. That's my driving license, I handed it to him. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est parce que tu dois téléphoner? J'ai dit non, j'ai dit. Were you calling? I said no, I was not. Je lui ai dit, I told him, arrête de me poser beaucoup de questions. Stop asking me questions. C'est ce qu'on appelle un accident. C'est quelque chose que tu n'avais pas. This is something you never. Alors qu'est-ce que tu veux? So what do you want? Change d'assurance, c'est donc. De toute façon, ça fait plus de 15 ans, je n'ai jamais de problème. L'assurance me bouffe là. Take care of deal with my insurance if you want to. Mais pourquoi j'ai dit cela? What did I say? Moi, je ne savais pas. I didn't know. J'ai continué à conduire ma voiture. I carried on driving my car. Un jour, one day, j'ai remarqué que I noticed quand j'ouvre le climatiseur, ça ne marche pas bien. When I opened the air conditioner, it was not working. Et je regarde en bas, c'est comme si ça suintait. And there was a leak underneath the car. Moi, je suis vraiment un homme qui aime les voitures de prestige. C'est-à-dire, quand la voiture commence à compliquer, je ne pose pas de problème. Regarde mon car. I'm the kind of people that don't want trouble with cars. Et non, moi, c'est que les gens que je n'aime pas trop dans ma vie, les mécaniciens. People that don't like in my life are mechanics. Amener les voitures, non, moi, je n'aime pas. Taking the cars to garage, I don't like it. Après maintenant,
After a while, un jour je devais aller à Stoke-on-Trent. One day I had to travel to Stoke-on-Trent. Et je remarque que le bruit de la voiture. Just noticed that la chaleur. C'est aller jusqu'à 100 degrés. And the car was losing power. Je suis rentré calmement jusqu'à la maison. Went back home calmly. Et après j'ai appelé la compagnie. I called the company. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Il y avait les radiateurs qui étaient damaged complètement. The radiator was suite à cet accident. Et je ne l'avais pas vu. Mais quand j'ai amené cela, when I took it, heureusement, ma voiture avait la garantie. Je n'ai rien payé. I was lucky because it was on the warranty. Nous avons la garantie de Dieu. Yeah. Tu ne payeras rien pour recevoir cette restauration. C'est pourquoi il a dit que je suis l'Éternel qui ne le fait pas. Cela veut dire, même si c'était ta faute, même si c'était ma faute, mais le problème, comme j'avais la garantie, même moi je ne savais pas, je pensais que j'allais payer. La compagnie m'appelle pour me dire, non, tu ne vas rien payer parce que ça ne fait pas de la garantie de la voiture. Je dis, oh my God, brosque la moraceta. Je dis alors, je peux encore cogner encore. Et je vais l'appeler. Et je vais dire à quelqu'un, même si tu avais connu quelque chose, parce que c'était ta faute, tu as encore des pièces de rechange. Même si on te fait passer, on dit ce sont les hommes qui sont pourris. Il va t'amener, il va encore fixer, il va encore réparer. Rien n'est encore perdu. C'est pourquoi ce matin, il dit je suis l'Éternel qui répare. Réparer me dit. Faire quelque chose dans le but d'améliorer une mauvaise situation. Doing something in the way you faire quelque chose to dans le but with the purpose d'améliorer une situation mauvaise. Of bettering a situation. Même si tu es dans une situation mauvaise. If you are in a worse situation. Mais nous, il y a une chose que nous devons comprendre. There's one thing we must en tant que chrétiens, as Christians, la puissance du sang de Jésus. The power of the blood of Jesus. C'est la puissance du sang de Jésus. The power of the blood of Jesus. Mais nous minimisons la puissance du sang de Jésus seulement en chassant les démons. Non. To minimize the power. Le sang de Jésus c'est plus que ça. It's more than that. Oh comme on dit, le sang de Jésus c'est plus que ça. The blood of Jesus is more than that. C'est pourquoi quand tu pries le sang de Jésus. When you pray, ne pense pas que c'est une petite chose. Don't think it's a small thing. Le sang de Jésus a une puissance que vous ne pouvez jamais comprendre. A power that you never understand. Imagine, tu as commis des bêtises dans la vie. You made mistakes. Mais tu viens auprès de lui. But you come back to him. C'est ça là, descend. The blood comes down. Fais en sorte à ce que tu sois comme quelqu'un qui n'a jamais commis un péché dans la vie. Make it to look like someone that has never done anything. Vous ne comprenez pas. You don't understand. Je vais expliquer ça. I'm going to explain it. Tu es dans les criminal records. You are in criminal record. On fait en sorte que partout où tu vas, everywhere you go, on ne peut pas t'engager parce que quand on demande ton CRB, because when they ask for your CRB, on dit hey, on l'a payé comme un coup. It's a piece. Oh yo, criminal. Police est venu. He's been arrested so many times. I'm sorry, we can't offer you a job. Pourquoi? Quand j'ai dit judiciaire pourri. Because of your DBS is rotten. À chaque fois on demande, c'est dit quand tu vas seulement travailler, tu demandes DBS. When you go to work, they ask for DBS. Ah. You start. Toi, tu dis, nous sommes en train de se pourquoi? Parce que tu es un problème. Because you are tu n'as pas un problème, mais tu es un problème. You have no problem. À chaque fois, on fait appel à ton DBS. Time they call your DBS. Tu as un problème. They always fails. Il faut attendre, je sais pas moi, 10 ans. You must wait for 10 years. Imagine maintenant que tu as déjà 60 ans. Now imagine you are 60. Il faut attendre 10 ans pour avoir. You must wait until you are 70. Mais Dieu dit. But God says. Par le sang de mon fils. By the blood of my son. Tu n'attendras pas 10 ans. You shall not wait for 10 years. C'est une question de 1 seconde. It's all about 1 second. The Bible says. Quand nous demandons pardon. When we seek for le sang de son fils. The blood nous purifie toute iniquité. Purifies us of devant Dieu. In front of God. Je n'encourage personne pour aller pécher. I'm not pushing anyone. Mais je dis cette vie vraie. I'm saying devant Dieu. In front of God. Vous me voyez là. The way you see. J'ai l'honneur, madame, c'est
mademoiselles et messieurs. I have the honor, ladies and gentlemen, de vous présenter les saints Samuel. Present you the Holy. Qui n'a jamais commis de péché. Someone that never sinned. Regardez, vous pouvez vous amener. Pouvez vous amener. Hein? Amen. Si je ne vais pas rester. Mais parce que j'ai compris la Bible. Because I've understood the Bible. Il a son sang, m'a purifié. Le sang t'a purifié. Et devant de Dieu juste. In front of God, you are just. Amen. Amen. Regardez les amens, vous ne comprenez pas. Vous laissez seulement les amens pour me faire plaisir. Alors, quand on dit qu'on est justifié, qu'est-ce qui se passe? What happens? Cela veut dire, it means le diable vient t'accuser. The devil comes and accuses you. Devant Dieu. In front of God. Mais ce qu'il ne sait pas, what he does not, et Jésus, Jesus est mon avocat. Is my lawyer. Le Père est le juste juge. Father is the donc, son dossier est déjà affiché. Yes. Parce que quand il vient t'accuser, ton avocat, il ne présente rien, il présente le sang. Et le Père, quand il voit le sang, ça va l'air ici. C'est pourquoi, même si le diable m'accuse, les témoignages du sang de Jésus est plus grand que l'accusation. The blood of Jesus is stronger than the accusations. Yes. C'est pourquoi il dit, je suis l'Éternel. That's why he says, I am the Lord. Cela veut dire qu'il me fait en sorte toutes les mauvaises situations. Every bad situation. Que cela soit effacé. Will be deleted. L'eau était mala. The water was bitter. Dieu me dit, oh my God, suivez-moi. Dieu pouvait faire quelque chose. God would have done something. Pas toi, Jésus. Dieu pouvait quelque chose. God would have done something. Créer une fontaine. Would have created où l'eau peut jaillir. Where the water could. Mais Dieu utilise la même eau qui était amen. But he uses the same water that was used for the children of Israel to drink it. Écoutez-moi. Listen to me. L'homme ou la femme que tu considères lion. The man or the wife that you consider as a lion or lioness. God can bring out of him honey. Amen. Mais si tu as l'avantage d'avoir déjà une biche, ne recherche pas les problèmes. But you, if you always already have a beer, don't put yourself in trouble. Indeed, dear. Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel. I'm the Lord. Qui te guérit. Alors quand on parle guérir, when they talk about healing, guérir veut dire restaurer. It means restoring. Qu'est-ce que cela veut dire restaurer? To restore, what does it mean? Les gens quand ils prient comprennent parce que restaure-moi, restaure-moi. When people say Lord restore me, they don't understand. Et quand je pose la question, quand ils disent restaure, parce que tu comprends. Well, do you understand what you say? Oui, Lord restore me. Restaure-moi. Lord restore me. Quand on parle de la restauration, when talking about restoration, qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? La restauration veut dire. Restoration means. Tu étais dans un état donné. You were in a kind of situation. Et tu es tombé tellement bas. You went, you fell down. Et les gens quand ils prient, disent Seigneur, je veux que tu me restaures. Ils veulent que Dieu me remette dans un état normal. Dans l'état précédent. In the state they were before. Mais la restauration c'est quoi? Restoration is. Dieu te prend. That takes you. Il ne te remet pas dans la position initiale. That puts you back to initial position. Et la position initiale, il ajoute le matabi, ce qui fera en sorte que tu ne sois plus la même personne comme tu étais avant. Initial position, it gives you bonus for you no longer to be the person you used to be before. C'est pourquoi il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. That's why he says, je suis l'Éternel qui te restaure. The one that restores. To say, les gens qui te regardaient, people that were looking at you, qui bougeaient la tête, shaking their head, qui croyaient que c'était fini, they didn't think it was over. Mais ceux qui ne savent pas, but they don't know, il est l'Éternel qui restaure. That restore. Cela veut dire, si tu as tu pouvais atteindre 10 000 par exemple, you only could reach 10,000, tu es tombé dans moins 10 000, you went, Dieu ne te remettra pas dans 10 000, God will not put mais il fera que tu atteignes 10 000 multipliés par selon ta foi. He will make you multiply 10,000 according c'est to ça la restauration. That's restoration. Cela veut dire. Means, si tu ta taille c'était 12. If your weight was 12. Je me rappelle quand je me suis marié avec ma femme c'était 12. When I got married to my wife she was 12. Je l'ai déjà devenu tellement. But she became who she is today. Solo avec moi mais que tu de la alléluia. Amen. Pourquoi? Why? C'est ça la restauration. That's restoration. Je veux dire à quelqu'un say, que Dieu te restaure au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te restaure au nom de Jésus. Dieu t'amène encore plus loin. Que Dieu t'amène encore plus loin. Est-ce que je parle aux animaux aussi? J'ai dit que Dieu t'amène encore très loin. Qui te restaure? La Bible dit, dans le livre de Joël chapitre 2, je remplacerai.
les années contemporaines, les sauterelles, les gelées, les asiles, ma grande armée que j'avais envoyée contre toi. Jean 2:25. Et Dieu, quand il restaure, c'est en qualité et en quantité. Je veux que quelqu'un, ce matin, soit restauré de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quand je dis, je veux que quelqu'un soit restauré. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'éternel des armées restaure your life. Amen. Tu pries 10 minutes, laisse que tu puisses prier libre au nom de Jésus. Ah ouais, que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Et je vais encore aller plus loin. Si ta femme te laisse seulement une bise, laisse que la multiplication de bises lui soit accordée au nom de Jésus. Amen. Moi, je merci quand même. Moi aussi, j'ai dit Amen. Ils ont dit se parler de Dieu, pas pour l'homme. J'ai dit, même si ta femme te donnait une bise. Your wife used to give you just one kiss. Avec une difficulté. Hardly. Après un combat, après une libération. After you've bent all day long. Tu reçois une bise. You just get one. D'accélération. In a rush. À l'oreille. On the ear. Mais laisse que Dieu. Make God. En écoutant cette parole. By listening to this word. Papa, tu es un homme heureux. Father, you are a happy man. Ah, le papa d'église même. Amen. Je suis en train d'arranger pour vous, mais vous êtes là, vous n'êtes pas là. J'ai dit, hein, papa, disons Amen. Amen. Papa, disons Amen. Amen. Bon, si tu reçois les gens des petits bébés, il n'y a pas de promesse. Amen. Amen. Que l'Éternel restaure le nombre de bises au nom de Jésus. May the Lord restore the amount of kisses in Jesus' name. Amen. Quand cela sera fait, appelle-moi, dis-moi c'est bon. And just call me and let me know it happens. So that you can testify. Je fais un tel dossier. Amen. Merci mon ami. Est-ce que comment tu regardes à l'époque? J'ai dit merci. Amen. Amen. Papa, c'est ça. Ça va? Qui vient là? Moi, tu m'as dit que ça va, papa? Moi, mais ça va? Amen. Oh, papa, c'est ça. Je suis l'Éternel qui. I am the Lord that heals you. Bien, mais que Dieu restaure les choses. May God restore things in your life. Et quand on parle aussi, and when we talk about restaurer, to restore, je suis l'Éternel qui te guérit. I'm the Lord that heals you. Ça veut dire aussi amender. It means bringing an amendment. Quand on dit amender, cela veut dire quoi? To amend, what does it mean? Ça veut dire il y avait quelque chose qui était là. There was something there. Mais qui n'était pas bien. That was not good enough. On change, on porte la modification. That's why they bring a little modification. Quand tu dis, je suis l'Éternel qui te guérit. That's what when the Lord says. Il voit que dans ta vie, il y avait des choses qui ne marchaient pas. In your life, things were not. Même toi-même aussi, tu voyais qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Know that there are things that were not working. C'est pourquoi ce matin, tu prends la décision d'amender les choses. God makes the decision to amend. Cela veut dire, là où dans l'alinéa 1, il y avait là où on disait il y avait deux présidents. Il veut maintenant enlever les deux présidents qui restent. They said there were two presidents. You want to take one away? Yes. Amen. Est-ce que je peux apporter des choses? Yes. Quand il dit porter l'amendement. When he said brings an amendment. Là je vais regarder mon ami. Quand il dit porter l'amendement. When he said bring an amendment. C'est là que dit si dans le cœur. If in the heart de quelqu'un. Of somebody. Il avait que les enfants. There was only children. God will amend for you to go there, to be in that house. Si dans le, bon, je vais te prier. Si dans le cœur de la maman. If in the mother's heart. Parce que les mamans ne parlent que non, les enfants. Well, they only talk about the children. Dieu ce matin. This morning, God va réparer le cœur des papas. Repair father's heart. Amen. On va commencer ce match juste au nom de mon chéri. No. Be. Alléluia. Amen. Amen. Somebody said, I do it. Frère, il y a une idolâtrie que Dieu aime.
Les Haïdor et tu God loves. Quand la femme est soumise et aime son mari. Amen. When the wife is submitted and loves her husband. Quand la femme. When the wife. Écoutez-moi les mamans. Listen to me, mothers. Abraham. Abraham. Qu'est-ce qu'elle descendait d'Abraham ici? Abraham's children are they here? Est-ce qu'elle est fille de Sarah ici? Sarah's daughter. Tu vois que quand on voit les filles de Sarah, ce sont les mamans qui lèvent. Non, nous sommes les enfants d'Abraham et les enfants de Sarah. Mémé Sarah. Amen. Amen. Est-ce qu'elle est enfant de Sarah ici? Amen. Sarah's children are here. Abraham, Sarah appelait Abraham qui? So I used to call Abraham my Lord. Combien sont de mamans qui appellent leurs chéris? How many mothers call their husbands Lord? Tu auras que l'Éternel Dieu. Écoutez-moi. Est-ce que je peux vous choquer? My shock. C'était une parenthèse, je vais rappeler. That was just a bracket. Là, vous voyez. Quand vous êtes marié. When if you married. Maman, Dieu ne vous voit pas. Mothers, God does not see. Dieu voit ton mari. Dieu te voit derrière ton mari. He sees you behind your husband. Oh. Amen. Que j'enlève la veste. Non. Vous avez compris. Amen. Encore plus. Vous voulez que j'amplifie un peu, hein? Dis pas. Voilà. Je vais avancer. Quand tu crois, vous aimez ces choses, vous êtes des bises. Vous me déviez trop dans. Bon, je vais parler quand même. C'est une parenthèse, je dois parler quand même. That's just a bracket, I'm going to talk about it. Quand tu crées. When God created l'homme. The man. L'homme était seul. He was alone. Et quand tu as pris la solitude de l'homme. When he saw how the man was alone. Dieu. God a pris. Dieu n'a pas créé la femme comme l'homme. Never created the woman. Mais Dieu a fait son crédit dans la vie de chaque homme. In the life of every man. Nous manquons une côte. We lack one rib. Et c'est à partir de cette côte là. From that rib. Que Dieu a commencé à faire la, à créer la femme. God created the woman. Et la Bible dit. But the Bible says. Quand tu as fini. When God finished. L'homme a dit où? The man said. Voici cette fois-ci. This is. L'os de ma chair. L'os de mes os, la chair de ma chair. The bone of my bones. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom, c'est l'homme qui a dit elle s'appellera femme. It's not God that called her woman, but the man said she shall. Pourquoi Dieu n'avait pas donné le nom à la femme comme alors? Why God never gave the man? Parce que ce n'était pas dans sa responsabilité. Because that was not God's responsibility. La femme est dans la responsabilité de son mari. Is under the husband's responsibility. Même si vous ne voulez pas, even vous allez accepter. You shall accept it. Amen. Like it or not, that's how it is. Thank you. Mm. Et la Bible dit. The Bible says. Quand Adam and Eve ont péché. When they sinned. Quand Dieu parlait. When God was talking. Il n'a pas posé la question à la femme. He never asked. Il a posé la question à l'homme. Asked the man. Parce que l'homme c'était lui qui était le responsable. Because he was the responsible. C'est pourquoi. That's why. Dieu. God. Quand l'homme répond, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. When the man says, it's the woman that you put beside me. L'homme s'est détourné de son autorité. He took. Alors Dieu s'est retourné devant la femme pour dire maintenant. God. Sois pas de la douleur. Went back to the woman and said, I'm going to increase the labor. Et Dieu les a chassés. God chased them away. Et Abraham, je rappelle maintenant Abraham. I'm going back to Abraham. 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 Sa femme. His wife called him Seigneur. Lord. Pourquoi? Why? Ce n'est pas Seigneur avec S majuscule comme Dieu. It's Seigneur not Lord son autorité. With capital S but small s as an authority. Dans le livre de 1 Corinthiens. In the book of 1 Corinthians. It's written. Une femme. A woman. Qui se marie. That get married. Avec un païen. With a pagan. Cette femme-là apporte la lumière. Woman brings light. Et là, le mari peut être sauvé. And ça c'est un mari païen. Husband can be saved. That's a pagan husband. Mais quand tu t'es marié. But when you get married. L'ordonnance du mariage se situe à ce niveau. The marriage ordinance is at this level. Mari. Husband. Aime ta femme. Love your wife. Et femme. And wife. Sois soumise. Be submitted. Comme. As. L'église est soumise. The church is submitted to Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? What does he mean? Cela veut dire simplement. Just means. Que maman. Mother. Dans la maison. In the house. Dieu. God. Te voit derrière ton mari. Sees
reprimand your husband. Amen. Amen. Donc il y a des choses en Angleterre qu'on doit revoir. The things that must be reviewed. Je suis le gamin qui est guéri. C'est celui qui a mon sujet. Mais les médicaments. Je suis le terrain qui t'est guéri. Amen. Amen. Je suis en train de dire qu'il est le terrain qui apporte l'amendement. Je suis en train d'apporter l'amendement, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que je suis dans le sujet? Papa, est-ce que je suis dans le sujet? Amen. Amen. Moi, je suis dans le sujet. Amen. Alors, bien-aimé. L'Angleterre, on dit, c'est un pays de femmes. They said England is the country that is the country. In the country, in the house where the wife is above, there's a curse. Dans la maison, papa dit, dans une maison où l'homme est soumis à la femme, c'est une malédiction. A house where the man is submitted to the wife, there's a curse. Vous allez entendre la femme dire, sois soumis. You will listen to a woman saying, be submitted to me. Papa. Si elle dit ça, if she says it, je te donne la permission de venir me parler. Amen. The permission to come and speak to me. Je suis l'Éternel. I am the Lord that heals you. Nous voulons amender les choses. We want to amend things. Nous devons amender les choses. We must amend things. Dieu lui-même, il vient, il porte le rectificatif. God himself corrects things. Tu veux rectifier les choses. You want to rectify things. Tu veux amender les choses. You want to amend things. Beloved, there should not be any restoration. A restoration sans amendement. Without amendments. Sans amendement. Without amendments. Sans amendement. Without amendments. Sans amendement. Without amendments. Without amendments. Amen. Frère, il y a des choses, lorsque ces choses entrent en conflit avec la parole de Dieu, nous devons privilégier la parole de Dieu. When they oppose the word of God, we must privilege the word of God. Papa, je veux que aujourd'hui, et maman, alléluia. Amen. En commençant par maman, dirait, c'est Dieu, Samuel. Standing by a moment. You feel like submission is being made. Lord, one day. Lord, one day. Yeah. Je suis l'Éternel qui est en train de guérir. I'm the Lord that heals you. Mais nous devons apporter l'amendement. We must bring. Même au niveau de ta vie. Even in your life. Quand il y a des choses qui ne marchent pas. Porte les amendements. Prends la décision que les choses changent. Prends la décision que Dieu. Ta vie doit changer. Your life must change. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous choquer? Can I shock you? J'ai dit à Dieu. I was told God. D'ici la fin de cette année. Till je dois atteindre au moins 100 000 livres dans mon compte. Amen. I've reached 100,000 pounds. Je vais vous dire, je suis dans le suivi de bon chemin. I'm on the right path. Je ne cache pas mon temps au canal. I'm saying it. À un certain moment, Dieu commence maintenant à faire que tu prêches l'évangile par motif d'amour. At a point that will make you preach because of love. Sans contrainte. Without being. Sans stress. Without stress. Stress free. You are stress free when preaching. Pourquoi? Why? Parce qu'il est le Dieu qui amende les choses. Because he is the God that amends. Quand les choses ne marchent pas, when things are je veux essayer d'amender. Lord, toi aussi, bien-aimé, tu peux prier et dire à Dieu, fais l'amendement. Also pray and tell God que Dieu fait l'amendement dans ta vie. God amend things. Les choses qui ne marchent pas, que Dieu fasse quoi? L'amendement. Dis avec moi, amendement. Amen. Non, je n'entends pas. Dis avec moi, amendement. Amen. Dis avec moi, amendement. Amen. Bien-aimé, je suis l'Éternel qui te guérit. I am the Lord that heals you. Guérir veut dire fixer. To heal means to fix. Fixer, qu'on fixe quoi? What do you fix? On fixe les choses qui bougent. You can only fix something that is shaking.
On fixe quelque chose qui. You only fix something that shakes. Mais pour fixer la chose. For you to find. On a besoin de screwdriver. You need the screwdriver. Et de vis. And the screw. Alors comme Dieu dit. When God says, je suis l'Éternel. I am the Lord that hates you. Cela veut dire. It means. Que c'est l'exemple. Je donne l'exemple d'une chaise. I'm just going to give an example of a chair. Quand vous voyez la chaise ici. You see an armchair. Elle est stable. It is stable. Amen. Amen. Je peux monter dessus, je peux faire tout ce que je veux, elle est stable. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les vis sont en place. Because all the screws are there. Papa, si tu vas amener une chaise là qui bouge là. Can you bring me a chair that is? Et vous allez voir. And you shall see. La différence qu'il y a. The difference that is there. Et vous allez comprendre. And you understand. Il y a une chaise là qui a le dos qui est déjà fracassé là. Voilà. There's a broken chair over there. Merci, impatient. Ancien. Ancien. Yo, ancien, viens ici. Le mari de quelqu'un. Yo. On va tirer. On va tirer. Non, bouge d'abord cette chaise ici. Vous voyez les données, ça ne bouge pas. C'est ferme, hein? D'accord. Est-ce que. And this one, the back moves. Amen. Amen. Ça, c'est l'image de deux types de vie. This is the kind of two types of lives. Quelqu'un. Someone. Que tu as déjà restauré. God has restored. Is fixed. Is fixed. Il ne bouge pas. Never change. Mais celui qui aime Dieu. But the one that loves God. Mais qui a connu des problèmes. Now have. Oh, il ressemble à ceci. They look like this one. Tu ne peux pas. T'asseoir bien. Not parce que. Ce n'est pas fixe ça bouge. Alors quand tu dis. Je suis l'Éternel qui te restaure. Cela veut dire, il veut démonter tout ça. He wants to take away everything. Prendre maintenant la matière appropriée. Take the white. Remettre tout en place. Put everything. De manière que c'est lui qui était là. Now, the one that was il est déjà content parce qu'il n'a plus de problème. Il est déjà celui-ci, c'est bon. This one, yeah. Flegation au bouger, il n'est pas ça. Ça montre vraiment, même dans la vie, in life, il n'y a pas de vis. No dans ta vie, in your life, tu ne sais pas manger. Dans ta vie, in your life, tu n'arrives pas à nouer les deux du mois. Tu es comme ça. Tu n'es pas stable. Regarde même le vis qui bouge. Tu n'es pas stable. Mais quand Dieu te rencontre, Dieu aime les gens qui sont comme ça. He loves people qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de vis, qui n'ont rien. Lui-même, il entre dans son défaut. Il ne veut pas demander au diable. Il ne veut pas demander au démon. Mais il entre dans son dépôt. Lui-même il vient. Il porte les tabliers. Il porte les instruments. Il commence à ouvrir. Et ça, ça n'a plus de la place. Ça, ça n'a plus de la place. Il prend cela. Il prend ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il enlève tout. Il prend. Si ça peut lui prendre du temps, il dit non, ça. Allez, là-bas. Il prend le maintenant. Il amène encore, amène-moi une autre chaise qui est bien. Bring the other chair. Il prend. It takes. Même couleur. The same color. Même chose. Same thing. Mais stable. Okay. C'est pourquoi je prophétise dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur stabilise ta vie. Au nom de Jésus. Même si les choses ne marchent pas. Il dit, je suis l'Éternel. Il fixe les choses. Je dis que l'Éternel fixe ton couple. Que l'Éternel fixe la vie de tes enfants. Que l'Éternel fixe toutes les choses. Je déclare cela. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que celui qui me donne le plus grand amen soit béni. Je dis que celui qui me donne le plus grand amen soit béni. Que celui qui me donne le plus grand amen soit béni. Que l'Éternel fixe. Je déclare que l'Éternel fixe les choses. Je déclare que l'Éternel fixe les choses. Les choses qui ne marchent pas. Que l'Éternel fixe cela. Que l'Éternel te stabilise. Que l'Éternel te stabilise. Que l'Éternel te stabilise. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.